Voilà, aujourd'hui avec mes copines, on a décidé de faire la deuxième vidéo coquine, comme ça un petit peu. Voilà, tu écoutes et tu te laisses bercer si tu as envie pour un sourire ton masochisme si tu aimes. Et voilà, et mes copines, on s'est décidé à faire une vidéo un petit peu plus d'amour, un peu plus avec la femme aussi. Et déjà, c'est ma copine Kimberly qui me fait savoir que, voilà, si tu as déjà commencé à te mettre des doigts, alors que. On n'a même pas commencé à t'exciter, tu les sors direct, tu la mets dans ton cul pour les essuyer. Hein. Mais après, voilà, comment ça doit être déjà? Commence ma belle comme ça, Kimberly, elle aime ça, elle est trop jolie. Elle aime les femmes fortes, hein, donc on va pas trop insister sur ma masochisme, mais voilà, si tu avais par exemple choisi l'option de que déjà commencé à te doigter alors qu'on n'a pas commencé, que t'as essuyé tes doigts dans ton cul. Si par exemple, tu vois, ils sont encore un petit peu tout mouillés, tes doigts comme ça, bah voilà, tu peux les sécher dans les cheveux, te faire une petite mèche comme ça, ou. Voilà, et maintenant on va commencer. C'est Kimberly comme ça, aujourd'hui elle choisit la thématique et elle dit dans tout ce foutoir sexuel, on doit se fixer des règles et on va se faire plaisir comme ça. On va instaurer les 10 règles sexuelles de la journée et du mois, comme ça qu'on va se tenir en copine. Et voilà, voilà, on va descendre avec vous, dans mademoiselle Kimberly, moi et vous-même, on va descendre vraiment très bas, très bas. On va mouiller, mouiller, mouiller. Et dans des petites culottes, tout ça. Et voilà, faut vraiment qu'on sente dans notre vie. On va mouiller, et plus on va mouiller, plus on va mouiller. Après, on n'aura plus qu'envie de mettre la petite culotte dans la poche pour encore la pouvoir la remettre, pour la remouiller. Donc, vraiment, là, faut se préparer à se lâcher comme ça. Et Kimberly, elle me fait, mais tu parles trop, vas-y, on commence les règles, bébé, bébé. Et ok, c'est vrai, on va avoir une première règle comme ça. C'est voilà, une règle du quotidien basique. Dorénavant, quand on va aux toilettes, il est interdit d'utiliser le trône. Ou alors, il faut faire avec la cuvette fermée. Et après, on essuie comme ça avec un petit papier attaché à chacune des fesses. Et hop, 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 on essuie comme ça les. Voilà le pipi comme Et ça. voilà. Mais maintenant, il existe aussi des variantes. On va fixer déjà les sous-règles comme ça pour la première règle qui concerne donc le fait de faire pipi comme ça. Alors déjà, un, interdit d'utiliser le trône. Donc par exemple, si on arrive comme ça, Kimberly, vous qui nous écoutez, ou moi-même, comme ça on arrive aux toilettes. Non, 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 il faut faire dans sa petite culotte. Comme ça, on fait dans sa petite culotte, devant les toilettes, en regardant les toilettes, en se disant à quoi ça sert. Et ensuite, une fois qu'on est toute mouillée de la culotte, dès lors que ça arrive au pied, le liquide de jus de pomme, tout ça, le petit pipi comme ça, dès lors que ça arrive au pied, on a le droit d'appeler au moins une copine pour venir, voilà, essuyer. Et voilà, la copine qui va être appelée comme ça, elle peut essuyer, mais que au travers, par exemple, du leggings. C'est-à-dire que si, par exemple, le pipi est arrivé dans jusqu'au pied, il est un peu trempé, comme ça, et ça mouille un peu. Elle va un petit peu insister sur la chatte, mais elle va beaucoup, voilà, t'essuyer. Grâce à tes leggings, ça va faire un petit massage du pipi sous les habits. Donc elle va commencer, par exemple, Kimi, regarde, elle fait comme ça. Elle te met un doigt un petit peu dans les fesses et tu fais, est-ce que t'es bien calé? Est-ce que tu veux que je te sèche, ma belle? T'as encore fait pipi à côté, c'est pas normal, à ton âge. Et par exemple, c'est juste une petite idée, hein. Même par exemple, si tu écoutes cette vidéo et que tu as déjà eu besoin d'aller aux toilettes et tu as déjà testé la technique, j'observe le trône tout en faisant pipi dans la culotte et tu mouilles dès toute mouillée. Là, par exemple, tu peux aller vite fait à une petite épicerie ou à un petit magasin à côté, tu vas vite acheter des bananes pour la suite. Sans changer comme ça, toi tu vas un peu mouiller comme ça. Après voilà, si c'est des gens t'apprécient, on va pas te mettre en pâture pour des merdes quoi. Et donc maintenant, si t'as choisi l'option d'aller acheter des bananes parce que t'étais toute mouillée et que t'avais envie de t'exciter devant la caissière toute jolie qui te fait mademoiselle. Donc voilà, si t'as choisi cette option, maintenant tu. Juste pour rentrer comme ça jusqu'à l'appart et écouter la suite de la vidéo, tout ça. Pour le trajet, les bananes, au lieu de les mettre dans un petit sac, tu peux en mettre déjà une dans la petite culotte comme ça. Ça fait une petite mixture entre l'effet trône non assouvi et voilà la petite banane comme ça qui va frotter. Enlève un peu à moitié la peau, à moitié. Tu ouvres et tu laisses comme ça, tu vois. Et tu mâches, flop, 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 comme ça mouille, ça mouille, ça mouille la banane et après tu pourras même la lécher. Elle est d'accord de t'observer comme ça pendant que tu la lèches, comme ça. Et tu as des petits mouvements de.
des petits mouvements de scission comme ça pour t'exciter, donner envie de scioter la banane à ta petite culotte comme ça. C'est bon, c'est la mousse c'est très bon comme ça, à laine comme ça, c'est magnifique, c'est un petit peu. Donc voilà, maintenant on est de retour à l'appartement, tout ça, et Kimi, on t'attend, tout ça. Et t'as choisi l'option d'aller acheter des bananes ou pas, on se retrouve devant, voilà, les règles qu'on va s'instaurer pour vous, mademoiselle, Kimberly, ma reine et moi-même. Et donc voilà, si on va aux toilettes, on n'a pas le droit, voilà, d'utiliser le trône. Il faut faire dans sa petite culotte, en fixant le trône un peu bêtement, comme ça, genre. Mais pourquoi, comme ça, tu vois? Et ensuite, si vraiment, 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 on a envie d'enfreindre les règles et d'avoir une petite punition, il existe une technique qui amortit la punition. Il faut juste l'échouiller. Alors, faire 10 fois le tour de la cuvette avec la langue comme ça. Une deuxième fois. Une troisième fois et jusqu'à 10. Et après, tu peux prendre le risque comme ça d'ouvrir la cuvette et te lâcher sur un pipi comme ça. Mais après, il faut s'excuser, il faut rester 10 minutes comme ça au coin. Tu te mets à genoux comme ça face au coin de la pièce. Et je sais pas, tu regardes le mur comme ça, tu attends que ça mouille, que ça atteigne les pieds Mais aussi, je voilà, vu sais pas. qu'on est aux toilettes, on va commencer par fixer un petit peu les règles qu'on va se fixer pour à l'appart, comme ça, entre nous trois là. Et donc, dorénavant, par exemple, le soir, pour se laver les dents, et ça va motiver à se laver les dents, j'espère, on va faire comme ça. Interdit de se laver les dents si on ne sait pas d'abord. Voilà, il faut faire comme ça, il faut se gratouiller voilà, le trou anal qui sent le fécal, donc il y a un petit peu l'odeur comme ça, qui sent un petit peu bon. Tu imprègnes la brosse à dents de cette odeur en brossouillant voilà, ton petit trou comme ça. Si le trou mousse, c'est normal, hein, c'est normal. Et ensuite, une fois qu'il y a la brosse à dents bien humectée, qu'elle sent un petit peu le. Enfin voilà, ça sent un peu le sexe comme ça. Voilà, tu peux après te laver les dents avec un petit peu. Voilà, c'est pas grave, si un petit poil de fesse ou un poil de vagin, c'est normal, c'est pas grave, ça renforce l'envie de se laver les dents, tout ça. Et donc, dorénavant. Alors, il y a le pipi, donc, dans la culotte. La brosse à dents, faut voilà, on se l'essuie d'abord contre les fesses et après seulement on peut l'appliquer à la bouche. Et le dentifrice, toujours autant on s'en met sur la brosse à dents, autant il faut mettre sur le doigt. Sur le doigt, tu vas me dire, mais pourquoi sur le doigt? Je ne vais pas garder le dentifrice sur le doigt, je vais laver les doigts sur les doigts. Et non, c'est parce que le dentifrice, c'est très bon dans les fesses. Le vagin, peut-être, faut faire attention. Mais les fesses, ça va chauffer, c'est un peu comme du baume du tigre. Ça va chauffer les fesses pendant, voilà, 30 secondes, 2 minutes, 3 minutes. Et pendant ce temps, tu pourras, voilà, faire une petite danse, gigoter, te mettre à quatre pattes contre le mur, contre le coin, dans le coin, et observer ta petite culotte qui mouille, tout ça, en pensant à moi et Kimberly qui sommes aussi dans l'appartement et qui s'excitent avec toi, ma Et belle. donc voilà, vu qu'on reste en toilette, on va fixer une règle, on va dire bonus, un petit auto-bonus qu'on peut s'appliquer comme ça soi-même si on s'estime assez méritante ou si voilà, on s'estime qu'on a assez dégommé et qu'on peut se faire plaisir un peu, un petit peu quand même. Alors voilà, si l'étape, voilà, j'observe la cuvette du trône sans m'en servir et je me fais pipi dans la petite culotte. Ou alors je l'échoue 10 fois la cuvette avant d'oser peut-être prendre le risque de finir dans le trône. Il existe une autre option encore. Voilà, tu prends une bouteille, tu la mets comme ça contre le vagin, tout ça, et voilà, tu remplis la bouteille de petits jus comme ça. Et dès lors qu'il y a assez, après, tu te fais une petite golden shower. Encore une petite golden shower, c'est comme ça, tu prends la petite bouteille et tu te fais une petite douchette dans la douche, donc une pré-douche, un petit pré-washing. Et pour te laver, là, tu vas prendre un petit truc qui va faire un petit peu mouiller, tu vas te faire une golden shower, voilà, tu vises bien comme ça la tête, comme ça, tu te mets un petit peu comme dans la pub au bao, et tu vides le pipi comme ça qui doit dégouliner comme ça sur tout ton corps, tout ça, et dès que ça atteint tes pieds. Dès lors, tu peux, voilà, après tu peux te doucher. Ou alors, si tu veux, tu peux rester comme ça, même 10 minutes comme ça, tourner en rond avec un petit doigt dans les fesses et tu fais. Et voilà, après tu peux te doucher comme ça. C'est une règle optionnelle. C'est un petit bonus, on s'accorde ou pas si on veut. Et voilà, maintenant on va
sortir la cuisine, tout ça, on va fixer quelques petites règles pour quand on mange, comme ça, déjà, on va, voilà, on va manger plutôt au lit et sur la chatte, hein, on va faire des orgies. Mais si, par exemple, voilà, on décide de manger à table, tout ça, on va fixer des petites règles. Alors, par exemple, si tu décides de manger, voilà, imaginons, tu tiens un petit creux, on dit, on va manger, on se met à table, tout ça. Alors, on va fixer la première règle, il est possible de mâcher que lorsque la copine qui est en face de toi, donc là il y aura par exemple Kimberly, elle est en face de toi, et elle mangeouille tout ça, et toi pour avoir le droit de mangeouiller, faut qu'elle ait le pied sur ton sexe, sur ton vagin et que ça mouille. Et dès que ça mouille un peu, tu as le droit de manger en mouillant comme ça un petit peu. Kimberly a le droit de faire ça, si c'est cool, hein, si. Y a pas de gêne, c'est pas mal. Et Hein. voilà, on va fixer aussi des pré-règles. C'est-à-dire que par exemple, on va fixer trois sous-règles pour avant d'aller à table. Comme ça, on va mettre donc déjà dans la petite culotte, on va mettre une des petites chaussettes de la semaine qu'on a déjà un peu usité, dans laquelle on a déjà un petit peu transpiré, fait de la gym, tout ça. Et ensuite, on va, je sais pas si tu trouves n'importe quoi, un petit pois, un petit bout de chewing-gum. N'importe quoi, il faut se mettre un petit truc dans les narines, comme ça. Un petit truc dans une narine, un petit truc dans l'autre. Et comme ça, voilà. Ensuite, l'autre règle, il faut avoir. Comme ça, les. Attends, ça c'est Kimberly qui s'en occupe. Attends, mets ton pied contre l'arrière de la chaise. Tout ça, elle va t'attacher le pied gauche, voilà, à l'arrière-pied gauche de la chaise. Et Kimberly, tu vas maintenant te mettre le pied droit. Un petit peu de manière croisée vers l'avant, de l'autre, tu vois, elle te fait une petite position comme ça, et dorénavant pour mâchouiller, oui, donc dès que voilà, là, le pied sur ta chatte, tu peux commencer à manger. Oh, elle te nargue, okay, non, mais c'est parce que. En plus, elle fait sympa, toi, elle est comme moi, il y a des gens qui n'ont personne en main, c'est pas comme les gens qui profitent. Nous, c'est de la bonne gamme, tu peux nous faire confiance si vraiment t'as décidé de sombrer, t'as assez dégommé, tu peux te faire plaisir une petite fois comme ça. Profite, hein. Vraiment, nous, on est bien les petites traits comme ça, de copines, hein. Et une fois qu'on soit 16, qu'on se fait des heures de domination et de soumission, qu'on alterne les rôles, on s'assure même un petit peu plus de soumission, on est des ouf, nous, mes copines. Mais non, voilà, je vois qu'il y a encore un petit peu comme ça de nourriture, oui, parce que, voilà, aussi, interdit d'utiliser les mains pour manger, donc. Voilà, il faut se débrouiller comme ça un petit peu, comme quand tu t'endors dans l'assiette, tout ça, mais là tu t'endors pas, tu baisses comme ça la tête, tout ça le plus possible. Là tu peux un peu lever les fesses comme ça, oublie pas t'as une petite chaussette, hein, comme ça entre les. Dans la petite culotte, tout ça, une petite culotte, je sais pas, une petite chaussette régressive avec des petites kitties qui sont un petit peu la féminité, tout ça, t'as une petite culotte comme ça dans la chaussette, c'est un petit peu le. Et voilà, après, donc, comme ça, voilà, pour pouvoir commencer à mâcher sans les mains, donc tout ça, faire un petit peu l'animal sur la table, comme ça. Il faut attendre que, par exemple, Kimmy, qui est assise en face de toi, Kimberly, tout ça, dès qu'elle met son petit pied tout féminin, comme ça, sur ta chatte, tout ça, dès qu'elle sent qu'elle a la mouille, elle te fait un petit clin d'œil, et là, tu peux commencer à. Voilà, les chouiller la nourriture et à manger, tout ce que tu peux. Hein. C'est un peu difficile, des fois on s'en met un peu partout, tout ça. En plus, Kimi, elle aime bien la purée. Elle est un petit peu coquine, tout ça. Elle prépare des moules, ou elle met dedans un petit peu des moules farcies, tout ça. Elle est coquine. Hein. Kimberly, en plus, elle fait ça par amour. Et ça, on en fait ça par altruisme, par amour. Fais attention, il y a des gens qui font les mêmes gestes, mais attention. On fait ça pour ton bien et on va te mettre bien et on fait en sorte que ça aille dans tous les sens. Les autres, faut dégommer, dégommer, dégommer les gens qui profitent, non? Et donc voilà, là c'était un petit peu les règles pour le repas, tout ça. Maintenant, on va aussi fixer deux, trois petits traits comme ça, Kimberly, pour quand on est au lit, tout ça. Les trois, donc, ouais, bien sûr, hein, vous avez le droit de dormir avec nous sur le lit. Hein. Si vous voulez, vous pouvez aussi dormir comme ça, partir à côté et vous mettre une petite gamelle, tout ça, ce que vous voulez. Ou même sous lit si tu veux, comme ça tu peux te mettre sous lit. Et justement, Kimi, il me fait, mais t'as pas encore entendu la règle, comme quoi. Voilà. Il faut d'abord aller sous lit 5 minutes et observer les chaussettes d'une des copines avant de pouvoir, voilà, monter sur le lit, tout ça. Et on fait tout chacune son tour. Et voilà, comme on est trois, donc il y a Kimberly, il y a moi et il y a toi, donc si tu as envie, comme ça, et on va alterner les rôles. Donc on va faire un jour sur trois. Et un jour sur trois, donc il y aura trois rôles. Il y en a une, alors la première, elle est attachée, voilà.
Voilà, donc très très attaché, comme ça un petit peu en ligne, c'est Kimberly par exemple aujourd'hui qui va t'attacher par exemple, et t'attache en ligne, tout ça un petit peu en croix comme ça, et tu as deux options, tu peux être par exemple visage contre le lit comme ça, et voilà, elle va s'asseoir par-dessus toi, tout ça, te faire un petit massage avec les pieds, un petit peu de pipi au bout des pieds, ou alors par exemple. Tu peux choisir, voilà, d'être avec les fesses contre le lit, tout ça, et dès lors, là, elle va par exemple de frotter sa chatte poilue, tout ça, un petit peu contre le visage. Et voilà, ensuite, Kimberly, elle va te dire, alors fais de bons rêves, et voilà, mouille-toi de la nuit, tout ça. Mais voilà, Kimberly, on se connaît, elle est mignonne, elle va t'offrir une jolie fleur, voilà. Elle va t'y elle va te faire. Je viens de faire des bisous comme ça, mais ma main c'est cadeau, voilà, il a dit joli ma main, c'est cadeau cadeau. Et donc voilà, si jamais notre copine, on cherche encore des petites astuces, le seul domaine qu'on maîtrise pas encore, c'est le froid chaud. Le froid c'est facile, hein. Mais voilà, c'est des techniques pour vraiment faire après une fausse impression, tout d'un coup réussir à faire pleurer de bonheur ta copine, tout ça, mouiller, et voilà, et de bonheur pleurer, c'est vraiment la recette qu'on cherche donc. Si jamais des petites astuces, on s'échange. Hein. Le froid, c'est facile. Hein. Juste pour, voilà, les petits plaisirs. Alors qu'il devait, tu pensais qu'il y aurait des plaisirs, tout ça. Et par exemple, là, tu vois, elle te fait tout ce que tu veux. Elle peut se faire des services si tu veux pour toi, moi aussi. On te met bien, tout ça. Et t'inquiète, tu vas te mettre bien à endormir. Mais demande si tu es attaché à un signe direct. Un jour sur cinq, on est attaché au réveil, comme ça. Et pour se libérer, il faut léchouiller la chatte. Et voilà. Mais par contre, la personne qui est attachée, elle doit avoir une petite sanction aussi. Et donc voilà, après ça finit au coin, à quatre pattes, tout ça. Et bon voilà, on va abréger un petit peu cette section sur les règles. Et on va faire une deuxième et une troisième partie qui vont suivre. Et donc là, on abrège cette première partie. Et Kimberly, voilà, elle dit bienvenue comme ça dans notre. Elle dit comment, elle a un petit terme comme ça, elle dit. Et voilà, juste en passant, je précise, et Kimberly aussi, elle tient à préciser qu'en général, voilà, on préfère donner de la force à nos copines et à nous-mêmes. Hein. Donc là, on a un peu l'impression de promulguer la lascivité de moi et de mes copines, comme ça, lesbiennes. Mais vraiment, c'est pas le but, là, c'est juste pour se faire plaisir, voilà, en deux cartonnages, plop, 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 parce que normalement, on donne plutôt de la force à nos copines hein, qui ont un peu ce problème, comme ça de base, hein. Maintenant c'est vraiment que du kiff. Hein. Et donc, si jamais, pour ce truc est un peu moyenné comme ça, et pourquoi il y a peut-être un petit peu de travail, donc pour le froid, bon, pas de problème, après, mais le froid chaud, et vraiment pour les bonnes surprises, je pense que ça passe via trois phases. Si voilà, faut que la personne elle dégomme tout en assouvissant des plaisirs, et en même temps, faut qu'elle reçoive beaucoup d'amour qui tout d'un coup semblait un peu. Voilà, qui est le doute qui tout d'un coup, je pense que c'est des ingrédients. Et donc voilà. Les larmes de plaisir et la mouille de plaisir, on va essayer de pas trop faire d'inondation en attendant. On se retrouve pour une deuxième vidéo sur les règles un petit peu smoothie, mais quand même un petit peu cochon, qu'on s'installe entre copines. Et dans une future vidéo sur cette thématique, on va aborder le. Voilà, quand tu as une copine à plus que 3 ou 4 et que tu commences à fixer des équipes voilà, de domination et de soumission où tous les rôles sont toujours en alternance, les équipes en alternance. Et donc, si jamais, si tu as un numéro de téléphone, tu es intéressé, je suis toute seule, là, je m'en viens chez moi. Je suis un peu mal physiquement, je commence à avoir mal, mais je suis toujours dispo, je suis une jeune lesbienne, j'ai encore de rasé, mais c'est. J'ai plein de petites copines, des peluches comme ça, elles sont chaudes.